Les promos, je pense pouvoir dire que l'on aime plus ou moins tout ça. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo car je ne suis pas sûr qu'elle intéresse tout le monde. Pour autant, en baladant sur les shops en ligne, j'ai remarqué que bordel, il y a de grosses affaires à faire. Alors comme il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui se concentrent sur les promos high-tech, nous on va plutôt regarder du côté des séries et films, ou même des goodies. A noter que ces offres ne vont sûrement pas durer, donc il est préférable de faire vite, très vite. Du côté de Warner Bros par exemple, je vous conseille soit de filer dans des magasins comme Leclerc, Auchan, etc. Soit si c'est trop chiant et que vous avez la flemme de prendre le risque qu'il n'y ait plus d'exemplaires, comme moi, d'aller voir sur Amazon. Vous pourrez par exemple retrouver l'intégrale des 8 films Harry Potter en Blu-ray pour seulement 20€, c'est juste ouf. Ou même la trilogie du Hobbit en version longue Blu-ray pour 35€. Sachant que je parle là des Blu-ray, mais les DVD sont aussi en promo et c'est en général 5 à 10€ de moins. Il y a aussi l'intégrale de l'excellente série animée Batman en Blu-ray pour seulement 30€ au lieu de 60. Bref, une bonne partie du catalogue Warner Bros est à moitié prix. Et c'est valable aussi pour les DC Comics. Donc il est honnêtement temps, je pense, de craquer. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, comme tous les produits dont je vais d'ailleurs vous parler. Sinon, pour ceux qui n'auraient pas encore craqué pour le jeu Spider-Man PS4, il est à 40€. Un vraiment bon prix au vu des bons moments que vous allez passer dessus, surtout à l'approche de Noël. Et dans le même style, il y a des promos sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour 300€, il y a des offres, une PS4 Slim 1 Tera, Spider-Man PS4 et une manette supplémentaire. Et si vous êtes moins exigeant sur le stockage, c'est encore moins cher ou vous avez un jeu supplémentaire. Chaque boutique a son offre, mais cela reste plus ou moins dans ces prix-là. A vous de regarder un petit peu ce qui vous intéresse vraiment. Et du côté de chez Xbox, un pack pour une One à moins de 100€ chez Micromania. Pareil, ça peut valoir le coup. Il y a aussi Call of Duty Black Ops 4 qui lui est à 50€ sur Amazon et en magasin, tout comme le dernier opus Tomb Raider qui est à 35€ ou Far Cry 5 à 25. C'est pas le meilleur opus, mais à 25€ ça peut valoir le coup. Niveau figurines, j'ai malheureusement pas trouvé grand chose. Pour autant, si vous êtes fan de la gamme Eglemos pour les petites figurines Marvel comme DC, etc., sachez qu'ils font des promos sur leur site internet. Faudra avoir de la chance de tomber sur les figurines que vous n'avez pas encore, mais il y a un peu de choix. Pour ce qui est de Disney, Marvel, Star Wars, etc., étonnamment, j'ai pas vu non plus énormément d'offres intéressantes. Cependant, allez voir du côté de Disney Store, celui qui est proche de chez vous ou la boutique en ligne. Il y a de bonnes grosses réductions qui peuvent servir pour un certain Noël qui arrive. Genre des mugs Disney à moitié prix, des peluches Mickey, etc. à moins 20%, ou encore de rares figurines pour un peu moins cher. Ça vaut vraiment le coup. Niveau jeux de société, sinon il y a évidemment des promos sur à peu près tous les classiques. Pour ce qui est des licences, c'est plus rare, mais j'ai vu sur Auchan par exemple la Monopoly Star Wars à 13€ au lieu de 28. Voilà, ça peut intéresser. Et pour terminer à la Fnac, la box Harry Potter que vous avez sûrement croisé passe de 40€ en temps normal à 30. Pour 40€, je trouvais pas vraiment que ça vaut le coup, mais à ce prix-là, pour une Funko Pop et des accessoires, ça peut être intéressant. Voilà, malheureusement, c'est un petit peu tout à niveau goodies, ciné, etc. J'avoue que hors high-tech, c'était pas la folie ces Black Friday, sauf pour Warner Bros, au niveau DVD, Blu-ray, etc., ils sont lâchés. Si vous avez trouvé des bons plans que j'ai pas pu vous signaler là, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai de le regrouper un maximum et de les épingler. Alors les geeks, pourquoi avez-vous craqué cette année? C'était Mathéo, ciao tout le monde!